Ah, chérie. Bonjour. Tu as un moment? J'aimerais te parler. Bien sûr. Maman, je suis toujours libre pour toi. Entre. Je suis en train d'aérer ces vêtements qui sentaient un peu la fumée. Je peux t'aider? Ah, eh bien oui, avec plaisir, mais j'ai presque fini mon rangement. Ah, je n'arrive pas à croire comme tout a souffert de cet incendie. Oui, comme notre vie à tous. Oh, chérie, tu as des ennuis. Qu'est-ce que c'est? Ton mariage? Je ne sais plus où j'en suis. Rien ne sera plus pareil. Ni comme je le voudrais, moi. Et je n'arrive plus à savoir ce que je dois penser ou décider. À quel sujet, ma chérie? Eh bien, parlons de toi, par exemple. Tu as été formidable pendant l'incendie. J'ai vu que tu étais sincère quand tu me disais à quel point tu aimais tes enfants et que tu souhaitais vivre auprès d'eux. Et je me sens gênée parce que je ne t'ai pas cru avant. Ne te fais pas le moindre souci pour ça. Mais je m'en fais. Et c'est plus fort que moi. Je ne sais pas comment te dire que je t'aime. Ni comment te le prouver. Et je crois que je ne le saurai jamais. Ma chérie, il y a tellement de vieilles cicatrices. Je t'aime très fort. C'est vrai, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime aussi. Maman. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureuse que tu sois ma fille. Maintenant, on va se retrouver, ma chérie. On aura le temps de réapprendre à s'aimer et à vivre ensemble. Alors tu vas être obligée de rester ici longtemps parce qu'il me faudra le reste de ma vie. Il y a des choses pires que celles-là. J'ai besoin de toi. Oh, chérie, je suis revenue pour t'entendre me dire ça. J'ai besoin de toi aussi. Je dois te laisser. Merci, tu m'as fait du bien. Rien qu'en m'écoutant. C'est vrai, tu as l'air mieux déjà. Je t'aime fort. Je t'aime. Allô? Sophia, ici, c'est Cruz. Cruz, ça va? Très bien. Marcello est près de vous? Marcello? Mais non, mais il n'est pas sorti de l'hôpital, à ma connaissance. Il s'en est évadé il y a quelques heures. Je pensais qu'il irait peut-être vous voir. Il s'est évadé? Non. Si, je me trouve pour l'instant chez lui. Il y est passé prendre sa valise. J'imagine qu'il va essayer de repartir. Si par hasard, il passe chez vous. Soyez prudente et appelez-moi dès qu'il sera reparti. Je vais vous donner mon numéro. Oui, d'accord, je vais le noter. Attendez une seconde. Je vous écoute. 6, oui. Très bien. Merci de m'avoir appelé. Marcello! Oh mon Dieu, mais de quoi tu as l'air, mon pauvre chéri? Pourquoi tu n'es pas resté couché? Mais comment tu as pu sortir de l'hôpital? Sophia, je dois retourner en Italie immédiatement et je veux que tu viennes avec moi. Quoi? Je ne t'ai pas demandé grand-chose dans ma vie, mais il va falloir que tu m'aides cette fois. J'ai besoin de toi. Tu dois venir avec moi ce soir.